Bonjour et bienvenue tout le monde à notre webinaire Opto6. Mon nom est Éric Lemire. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Le webinaire est un peu spécial aujourd'hui. On va parler de deux modules Opto6 qui sont très importants, très populaires et aussi très, très, très pratiques, qui sont les Opto6 Rendez-vous et Opto6 Rappel. Donc, je suis chef d'équipe pour Opto6 et je vais être assisté aujourd'hui par mon collègue Fouad. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Merci, Eric. J'espère que tout le monde aussi est bien content de nous rejoindre. Puis j'espère qu'on va répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Fouad. Donc, oui, aujourd'hui, on va voir beaucoup de détails pour ceux qui sont intéressés à ce genre de choses-là. Donc, tous les modules et les extras qu'on donne avec Opto6. Donc, ici, on a justement un webinaire qui va répondre à vos questions et on va aussi enregistrer ce webinaire-là pour le futur. Donc, si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui, on va pouvoir enregistrer et mettre ce webinaire-là disponible. Justement, où sera-t-il disponible, Fouad, de ce webinaire dans le futur? Il va être disponible dans notre YouTube. Je vous invite aussi à vous enregistrer dessus. Comme ça, vous recevrez les notifications. Et vous pouvez voir aussi d'autres webinaires qui se trouvent dans notre site sur YouTube. Oui, très bon point, Fouad. Merci de le souligner. Donc, en vous abonnant à notre chaîne Opto6 Solutions, donc si vous le recherchez dans YouTube, vous allez pouvoir trouver toutes nos vidéos et webinaires qu'on a faites dans le passé, mais aussi si vous vous abonnez, vous allez pouvoir avoir les notifications quand il va y en avoir des nouveaux qui pourraient être très pratiques si jamais vous manquez des webinaires. Merci beaucoup, Fouad. Justement, mon collègue Fouad va m'aider aujourd'hui avec la gestion des questions. Si j'ai des questions, n'hésitez pas à les poser à travers notre chat. Donc, comment ça marche si on veut poser une question, Fouad? Donc oui, effectivement, nous avons une section questions. Donc vous pouvez poser vos questions dessus et je serai ravi de vous répondre ou d'interrompre Eric et pouvoir vous répondre. Aussi, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Puis je vais regarder dans les deux cases. Aussi, vous pouvez, comme vous voyez, vous pouvez lever la main. Si jamais je peux aussi vous écrire directement pour voir si vous avez d'autres questions. Puis Ah, on oui, va aller bon point en lien. pour la main levée, Fouad. Merci beaucoup d'en parler. Donc, pendant le webinaire, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser la question dans le petit chat, question pour Fouad. Il va soit vous répondre ou m'interrompre justement pour qu'on puisse partager la question avec tous les participants. Et à la fin, on a justement une période de main levée. Donc, si vous voulez si vous voulez poser une question live avec tout le monde, vous allez pouvoir poser votre question à la fin du webinaire. On a une section juste pour ça. Donc, merci beaucoup, Fouad, de parler de ça. On va en parler un peu plus tard. Donc, on a quelques sondages pour vous. Donc, on a l'impression de mieux vous connaître. Vous êtes plusieurs, vous êtes connectés aujourd'hui avec nous. Donc, Fouad, on va commencer le premier petit sondage, s'il vous plaît. Parfait. Juste avant de commencer, Eric, on dit qu'on a déjà deux petites mains levées. Je vais juste voir avec ces deux personnes-là. OK. Parfait. Pour Donc, les il y a autres, Michel Basque et Christine Jean qui ont les mains levées. OK, OK. donc les mains levées sont disparues. Parfait. OK, alors je vais lancer le sondage. Donc, oui, juste réitérer peut-être que c'est dans les questions, dans la section questions, qu'on va poser les questions pendant le webinaire. Et les mains levées, ça va être pour la fin, s'il vous plaît. Donc, oui, si on pourrait commencer les deux petits sondages, s'il vous plaît, Fouad. Parfait. Alors, je vais lancer le rendez-vous. Donc, utilisez-vous le module Opto6 Rendez-vous? On veut savoir en fait si on parle surtout à des utilisateurs des rendez-vous en ligne ou on parle à des personnes peut-être qui sont intéressées à en connaître un peu plus avant de s'abonner. À noter, pendant que vous répondez aux questions, que pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez vous abonner à travers le menu Actualité d'Opto6 qui est disponible dans le petit point d'interrogation en haut à droite dans votre logiciel de gestion de clinique préféré. S'il vous plaît, répondre à toutes les questions. On en a beaucoup, on est presque rendu à 100%. Je pense qu'on y est. Donc, Fouad, si je voudrais montrer la réponse.
Oui. Donc, on va cliquer sur partager. Voilà. Excellent. Donc, comme vous voyez, oui, on a la plupart de vous est intéressé au module. Je suis sûr qu'après ce petit webinaire-là, peut-être que vous allez être enclin à vouloir aller vous abonner sur notre petit menu actualité pour les rendez-vous en ligne, parce que je pense qu'on va vous donner de l'information peut-être qui vous manquait, répondre peut-être à vos questions aussi par l'entremise de Fouad. Donc, on a un autre petit question pour vous, un autre petit sondage. Donc, Fouad, est-ce qu'on peut partir le deuxième, s'il vous plaît? Parfait, juste un instant. On lance le deuxième. Parfait. Donc, utilisez-vous aussi ou peut-être seulement le module Optosys Rappel. Donc, s'il vous plaît, répondre à la deuxième question. Ça nous sert en fait à mieux voir à quel niveau de détail on va aller dans le webinaire aujourd'hui. En passant, pour votre information, le module Optosys Rappel a besoin impérativement du module de rendez-vous en ligne. Donc, habituellement, si on a un, on doit avoir l'autre pour l'Optosys Rappel. Donc, je pense qu'on a encore pas mal tout le monde qui a répondu. Fouad, je vais te demander de montrer la réponse. Parfait. Excellent. Donc, on est pas mal balancé ici. Donc, on a 40% qui en a et 40% qui n'en ont pas. Et il y a 20%, je ne sais pas. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, on va le voir ensemble, le module est un peu invisible, puis c'est un peu le principe de la chose, hein. Le module va envoyer des communications au patient selon une cédule. Donc, il n'y a pas de personne dans la clinique qui a besoin de cliquer sur quelque chose ou qui a besoin de prendre action. Donc, c'est fort possible. C'est pour ça qu'on a peut-être 20% des gens qui ne le savent pas. Donc, merci tout le monde de votre participation au sondage. Ça nous permet, à moi et Fouad, d'avoir un peu plus d'informations pour vous. Et oui, aujourd'hui, on va parler des modules Optosys Rendez-vous et Rappel. Donc, si on peut avoir l'Optosys Rendez-vous toute seule, si on a le module Rappel, on doit avoir le module Optosys Rendez-vous. De toute façon, ils vont tellement bien ensemble, l'Optosys Rendez-vous et Rappel, c'est un duo parfait. On va pouvoir utiliser la puissance des rendez-vous en ligne. Donc, permettre aux patients de prendre le rendez-vous eux-mêmes 24 heures sur 24 à partir de notre site web, de notre Facebook, de notre Instagram, et on va pouvoir optimiser notre communication automatique pour avoir plus de courriels et bien sûr plus de patients. Donc, c'est une belle synergie que ces deux modules-là vous apportent en clinique. Donc, on va parler en premier du module Optosys Rendez-vous qui nous permet de synchroniser nos rendez-vous d'optométrie avec notre agenda. Donc, ça va permettre aux patients de prendre des rendez-vous en ligne, comme je disais, à tout moment. On va pouvoir personnaliser aussi l'agenda. Donc, vous allez pouvoir offrir les types de rendez-vous que vous voulez. On pourra aussi donner accès à des prises de rendez-vous à partir de votre site web, des réseaux sociaux. Donc, c'est un lien Internet qu'on vous donne et vous pouvez associer ce lien-là à n'importe quel bouton dans Facebook, etc., selon la façon que vous voulez atteindre vos patients. Alors, vous pouvez aussi ajouter les rendez-vous automatiquement dans l'agenda. Donc, on n'a pas besoin, c'est pas un courriel que vous recevez et qu'on doit refaire le rendez-vous dans Optosys. C'est vraiment automatique. À noter, je vais le mentionner tout de suite, parce que c'est important, quand un patient va prendre un rendez-vous, le rendez-vous qui va arriver dans Optosys sera un rendez-vous pour un nouveau patient. Donc, même si le patient est déjà dans Optosys avec le même nom de famille, la même date de naissance, Optosys va quand même créer un patient temporaire. Ça, c'est parce que Optosys ne veut pas prendre la décision puis faire l'erreur de matcher un rendez-vous avec un patient existant si ce n'est pas exactement le même patient. Donc, on va laisser justement votre subjectivité pour voir si c'est un patient qu'on devra fusionner avec un patient existant ou c'est bel et bien, pardon, un nouveau patient. Parce que oui, le fait de mettre ces rendez-vous en ligne, puis on l'a vu avec les statistiques, attire beaucoup de nouveaux patients. Donc, il y a des patients qui n'appellent pas pour leur rendez-vous ou qui ne sont pas confortables avec ce fait-là, qui vont prendre des rendez-vous en ligne. Donc, si vous démarquez de vos cliniques des alentours, ben, c'est une bonne façon d'attirer ces nouveaux patients-là, qui sont souvent plus adultes, un peu plus jeunes à ce moment-là. Et bien sûr, ben, vous allez devoir consulter vous-même votre rendez-vous. Donc, si vous allez vous-même sur votre Optosys Rendez-vous, ben, vous voyez
quelle disponibilité que vous-même vous avez dans le futur ou que vous n'avez pas, justement. Donc, si vous êtes tout booké, ben, ça se peut que le site dise aux patients qu'il n'y a pas de disponibilité parce que vous êtes, par exemple, complet pendant les 2 prochains mois. Bon, c'est sûr que c'est très convivial pour vos patients. Ils vont 24 heures sur 24 sur votre site web, choisir un type de rendez-vous, un optométriste, rendre ses informations, son nom, son prénom, date de naissance, etc. Et voilà, on a un rendez-vous qui est rentré dans le système. Le patient reçoit même une confirmation par courriel qui va même lui permettre de canceller ou modifier son rendez-vous selon un ordre établi. Là, si ça fait juste 2 jours avant le rendez-vous, on ne pourrait peut-être pas le faire. Ça, c'est bien sûr personnalisable. Donc, des belles fonctionnalités au niveau d'Optosys Rendez-vous. Donc, ici, oui, on va pouvoir aussi personnaliser sa page. Donc, quand le patient va cliquer sur le lien que vous avez mis sur votre site web, Facebook, etc., ben, cette page-là, on va pouvoir mettre notre logo ici en haut, donc le logo de la clinique, bien sûr, peut-être même avec ici une information sur quoi faire si jamais on n'est pas capable de prendre un rendez-vous ou sur les disponibilités de la clinique. Alors, on peut même avoir des petites instructions qu'on va mettre ici. Donc, on le voit ici en anglais, donc on peut mettre des instructions en français et en anglais selon l'âge, pas l'âge, mais le langage du patient. Donc, c'est très bien fait. Puis, c'est vous qui, avec nous, décide de ça. On a des templates aussi qu'on peut utiliser, des modèles pour pouvoir réutiliser qu'on connaît déjà. Avant de passer au rappel, en fait, on va passer ensemble dans Optosys parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà le module et peut-être que vous voudrez en avoir un peu plus d'informations sur comment le configurer. En fait, la première chose qu'on va aller, puis bien sûr, là, je prends pour acquis, vous connaissez bien Optosys, ça va être dans les utilisateurs parce qu'il va falloir spécifier quel optométriste, puis ça peut être aussi des agendas pour les prises de rendez-vous d'essais de monture ou de livraison de lunettes. Donc, ça peut être n'importe quel type de guillemets, utilisateur qu'on va mettre en ligne. Donc, ici, je vais devoir spécifier dans mon utilisateur si je dois afficher le patient sur Internet, pas le patient, pardon, l'utilisateur sur Internet ou non. Donc, ici, par exemple, je pourrais dire que telle optométriste est disponible pour ma première compagnie, pour ceux qui ont plusieurs compagnies d'Optosys, et non pas dans l'autre et vice-versa. Donc, on a un contrôle au niveau des compagnies à ce moment-là où est-ce qu'on peut pouvoir spécifier que tel ou tel utilisateur et son horaire vont être disponibles en ligne ou pas. Fouad, est-ce qu'on a des questions à date avant d'aller plus loin? Non, à présent, on n'a pas de questions. Donc, je Excellent. vous invite encore à poser les questions, par écrit dans la section questions. Oui, puis si vous trouvez que je vais trop vite, parce qu'il y a des fois des commentaires, des gens qui disent que je vais trop vite, n'hésitez pas à poser des questions pour revenir sur un point. Peut-être que vous pensez que j'étais un peu vite. Ça me fait plaisir. Donc, c'est ça. Une fois qu'on a spécifié que cet utilisateur-là ou cet horaire-là, des fois, est disponible en ligne, on va aller dans l'horaire aussi. Ici, on va pouvoir en fait spécifier quel type de rendez-vous on veut selon telle et telle heure. Donc ici, si je vais, par exemple, sur cette optométrie-ci, je vais avoir justement mes dimanches, lundi, mardi, samedi, où est-ce que je vais permettre des rendez-vous Internet. Et ici, la magie aussi, c'est que je ne suis pas obligé de permettre tous mes jours, tous mes matins, tous mes après-midi. Je pourrais aussi décider dans quel type de rendez-vous que je veux dans telle période de mon agenda. Donc, si par exemple, je ne veux pas voir d'essai de monture, je ne veux pas voir d'urgence, mais seulement des examens complets à tel jour, ben, je pourrais juste sélectionner ces examens-là et le patient qui sélectionne examen pour enfant, par exemple, ne verra pas de disponibilité le dimanche parce qu'il n'est pas coché. Donc, j'ai cette liberté-là de pouvoir sélectionner les types de rendez-vous que je vais acheter en ligne selon le type de rendez-vous et selon la période spécifique. Un petit truc ici, peut-être que vous ne connaissez pas, si jamais vous voulez modifier plusieurs horaires. Là, présentement, c'est un horaire très simple que j'ai dans cette base de données démo-là, mais si jamais vous avez plus que les 5 horaires que j'ai présentement parce que vous gagnez par heure ou même les matins, les AM, les PM, ben, vous pouvez en fait, avec votre bouton Shift, sélectionner plusieurs horaires à la fois, avec un bouton contrôle si vous voulez en enlever ou en ajouter. Et ici, avec le bouton de droite, on va pouvoir
modifier l'information en ligne ou portail. Donc ici, si je veux affecter mes dimanches, mardi, jeudi, vendredi, samedi, ben, je les sélectionne. Donc, vous voyez, ils sont comme surlignés en bleu et je vais pouvoir modifier à ce moment-là que je veux juste voir les examens complets ou juste enfin, selon mes préférences. Et genre, quand j'enregistre, ben, c'est ça qui va changer pour tous les périodes à la fois. Donc, c'est un petit truc que je vous donne pour aller plus vite pour ceux qui ont des horaires un peu plus complexes. À noter que si jamais vous créez aussi des horaires temporaires, ces horaires temporaires-là vont devoir être définis en tant que tels aussi de la même façon. Donc, si vous avez un horaire d'été ou un horaire des fêtes, peut-être, ben, il va falloir aussi mettre les rendez-vous en ligne. Parce que quand vous allez créer vos périodes, ben, par défaut, ils ne sont pas disponibles en ligne. Il faut double-cliquer ou encore une fois les sélectionner avec le clic droit pour pouvoir changer l'information portail. Donc, ça, une fois que l'utilisateur et l'horaire sont en ligne, il faut aussi s'assurer que les bons types de visites sont aussi en ligne. Donc, dans paramètres patients, visites et types de visites, on va aller sélectionner, donc avec le petit crochet affiché sur Internet ici, quel type de rendez-vous qu'on veut afficher en ligne. Donc, c'est à vous de décider. C'est sûr que le rendez-vous, comme on voit ici, qui est désactivé, ne sera pas montré en ligne, même s'il est coché. Donc, si il est soit pas coché ou désactivé, il ne sera pas disponible en ligne. Donc, mais pour ceux qui sont actifs et qui sont cochés, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir prendre en ligne. Et là, c'est important de savoir que de juste cocher que le rendez-vous est affiché sur Internet, c'est pas assez. Il va falloir aller un petit peu plus loin parce qu'on a la notion de groupe d'Optosys. Donc, c'est avec l'icône en haut qui s'appelle groupe de type de visite Optosys Booking. Si je clique dessus, je vais pouvoir créer des groupes. Et les groupes, en fait, ben, c'est les groupes qu'on voit dans le site web. Donc, ils vont me permettre de voir, en fait, des cases, trois cases séparées dans ce cas-ci, avec les examens complets. Bon, bien sûr, on peut avoir une description en anglais si le patient se connecte en anglais, il va avoir la description anglophone. Dans ce cas-ci, examen enfant et urgence. À noter ici que je vais associer mes examens complets, examen pour enfant et examen d'urgence que j'ai mes titres de visite. Donc, je pourrais, si je voudrais, donc faire un examen complet adulte, mettons, pour faire une différence avec l'autre, pour faire enfant de 18 ans et moins, etc., etc. Donc, je peux éditer autant les titres de mes rendez-vous pour qu'ils soient différents de ceux que j'ai utilisés dans mon agenda puis dans Optosys, pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à digérer pour les utilisateurs, ainsi qu'un texte en dessous qui peut-être décrit certaines informations à propos du type d'examen. Donc, si vous voulez dire que l'examen complet comprend les champs visuels, comprend les photos de fond d'œil, ou que justement les photos de fond d'œil sont optionnelles à un prix de temps, ben, c'est peut-être la bonne place où mettre cette information-là pour que le patient puisse choisir le bon type de rendez-vous pour lui ou pour elle. Une fois que nos groupes sont créés avec le bouton « Nouveau groupe », puis qu'on peut justement les créer pour qu'ils soient affichés sur notre site, ben là, automatiquement, quand on va aller sur notre site Internet, laissez-moi juste aller ici, ben on va voir justement nos trois carrés qu'on avait décidé préalablement ici. Donc, je disais précédemment, ici, ben là, je peux mettre mon logo que je veux en haut. En passant, vous avez beaucoup d'options. Là, si vous voulez mettre une couleur de fond spécifique qui va bien avec votre site web, si vous voulez utiliser une police peut-être du texte ou une grosseur de police ou même une couleur de police du texte spécifique, dites-nous là, on va pouvoir le modifier en conséquence sur votre site. Le but, c'est que quand le patient va passer de votre site web ou de votre Facebook et va aller dans le site ici de Optosys pour prendre le rendez-vous, ben, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les deux. Pour eux autres, ça va être le même site web. Donc ici, oui, vous pouvez mettre des informations ou des instructions pour le patient préalablement. Et bien sûr, on va pouvoir faire quelque chose en dessous aussi. Donc, en haut et en dessous. Donc, justement, si vous voulez avoir quelque chose d'important et de plus un peu technique en bas, c'est votre choix. Avant que j'aille plus loin, est-ce qu'on a des questions, Fouad? Non, Eric, pour l'instant, on n'a toujours pas de questions. J'attends, si je vois quelque chose, je te laisserai savoir.
Excellent, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Souvent, les questions qu'on pose ou qu'on se pose nous-mêmes, c'est peut-être des questions que d'autres personnes vont pouvoir se posent déjà et qui vont pouvoir profiter de la réponse. Ceci dit, donc, aussitôt qu'on a pris un rendez-vous, pour ceux qui n'ont pas, bien sûr, le type de rendez-vous, on va pouvoir voir, en fait, des optométrices ou, encore une fois, comme je répète, ce n'est pas nécessairement des examens optométriques, hein, ça peut être aussi des livraisons de lunettes. Hein, aujourd'hui, vous savez, avec la COVID, nous a appris qu'on peut faire des rendez-vous pour pas mal tout, même si ça se termine tranquillement. Vous pouvez utiliser n'importe quel type en guillemets d'utilisateurs, donc d'horaires que vous avez dans le pour les mettre en ligne. Donc, on voit ici, par exemple, que j'ai deux optométristes, donc un qui n'a aucune disponibilité pour les horaires qu'on voit ici, sur certains jours, puis un qui en a beaucoup plus. Donc, ici, ben, le patient va pouvoir choisir ce qu'il veut en tant que disponibilité pour mon type de rendez-vous. À noter que, dépendamment du type de rendez-vous que j'ai utilisé, peut-être que mes disponibilités sont différentes. On a vu dans l'horaire qu'on pouvait les différencier de cette façon-là. En passant, si le patient il dit, ah, ben, c'est pas exactement ce que je voulais, il peut toujours sélectionner un seul des optométristes à la fois, s'il y en a plusieurs. S'il y a des cliniques d'entre vous, puis je les connais, qui ont peut-être, je pense, 7 ou 8 ou 9 optométristes à la fois. Donc, des fois, c'est facile juste de sélectionner un seul optométriste à partir de l'option ici en haut. Si jamais le patient veut retourner au type de rendez-vous, il peut aussi le faire en passant. Donc, ça, c'est la première étape de sélectionner le type de rendez-vous qu'on veut. Et à ce moment-là, ben là, les horaires, encore une fois, ne seront pas pareils, dépendamment de comment qu'on a généré notre horaire. Au moment que le patient décide de son optométriste et de l'heure et la date où est-ce qu'on veut le rendez-vous, ben, il a juste besoin de cliquer dessus, tout simplement, remplir ces informations ici. Puis au moment de confirmer le rendez-vous, il va recevoir un courriel de confirmation qui va lui permettre, en passant, de sauvegarder son rendez-vous dans son téléphone, dans son Outlook, dans son Google Calendar. Donc ça, c'est très pratique. Encore une fois, tout ça, c'est fait pour éviter le plus de non-présentés possible. À noter en passant qu'il y a aussi une dernière option pour modifier son rendez-vous, encore une fois, si jamais il n'est pas sûr du type d'information qu'il a pris ou il a peut-être pas pris le bon type de rendez-vous, hein, puis ils viennent s'en rendre compte. Aussi, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on a 10 minutes pour remplir son sa date de naissance, son prénom, son nom, son courriel et son numéro de téléphone. Le patient va pouvoir aussi choisir quel type de numéro de téléphone qu'il veut et à noter aussi que le patient, s'il rentre son cellulaire, ben, ça va rentrer dans les bons champs dans Optosys. Donc ici, quand il va confirmer le rendez-vous, ben, la magie, c'est que le rendez-vous va arriver directement dans votre Optosys et il va avoir une icône spécifique qui va avec une petite horloge en fait pour dire qu'il a été pris en ligne. Encore une fois, je me répète, dans Optosys, les rendez-vous pris en ligne vont arriver comme étant des nouveaux patients. Donc, ce n'est pas nécessairement des nouveaux patients ou ce qu'on appelle dans Optosys des patients temporaires. Ça sera à vous de faire la fusion dans le dossier patient. Là, je vois déjà les questions arriver. Comment est-ce qu'on fait ça? Rendez-vous de dossier patient. En fait, ici, si je retourne dans Optosys, je ne sais pas pourquoi il est fermé. J'ai peut-être fermé Optosys par mégarde. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais. Je n'ai pas la bonne place. Merci beaucoup de me l'avoir dit, Fouad. Donc, ici, dans Optosys, quand je vais aller dans un dossier patient, je vais aller dans un patient test, bien sûr. Ah, ben, j'ai celle-là. Ça, c'est parfait. C'est dans le menu Action qu'on va pouvoir venir dans le patient et venir fusionner les patients. Et là, je vais pouvoir sélectionner le patient que j'avais déjà, donc l'ancien patient, dans le patient conservé. Donc, le patient fusionné, c'est le patient temporaire, donc celui que mon module de rendez-vous en ligne a créé, et je vais pouvoir le fusionner avec mon patient conservé. Si jamais, et ça arrive souvent, le patient qui est à fusionner a les numéros de téléphone les plus récents. Et donc, s'il est différent ou ajouté au patient conservé, n'oubliez pas de cocher ici pour mentionner Optosys que vous voulez garder le nouveau numéro de téléphone. Sinon, ben, tout va être remplacé par ce qu'on avait déjà dans le patient conservé. Donc, j'espère que ça répond à certaines questions qu'on avait, parce que ça, c'est un aspect important des rendez-vous en ligne. Donc, juste m'assurer, Fouad, on n'a pas d'autres encore de questions pour l'instant. Tout est beau? Non, pas de questions pour l'instant. Je pense que les questions sont vraiment très claires.
Mais ce que je peux ajouter, c'est que moi aussi, dans ma génération, je préférais utiliser le online booking que d'appeler une clinique au téléphone, puis de voir c'est quel jour qu'ils ont vide et quelle journée moi je suis capable d'aller, tout ça. Fait que c'est plus facile d'aller sur mon cellulaire ou sur mon laptop et de regarder rapidement et de prendre mon rendez-vous directement en ligne. Oui, merci beaucoup à Fouad de ton intervention. Donc, tu as raison, les patients adorent l'online booking habituellement quand ils ont cette possibilité-là. Donc, c'est quelque chose de plus que vous ouvrez à vos patients. Vous aussi, vous différenciez. Puis les patients, ben, ils aiment ça pouvoir le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout avec les vies qu'on vit aujourd'hui. Mais moi, je vais ajouter, juste pour finir avec l'online booking, le côté de la clinique, qui est pas mal important parce que c'est à vous qu'on parle. C'est extraordinaire aussi, parce qu'imaginez, on n'a plus autant d'appels, c'est sûr qu'il va toujours en avoir, on n'a plus autant d'appels de patients qui veulent négocier pour une heure, une date, ah, puis quel opto, puis là, il faut aller dans l'opticien, pour aller voir d'un agenda à l'autre, qu'est-ce qui est disponible, ça vous libère énormément de permettre ça. Donc, si vos patients, même en minorité, utilisent les rendez-vous en ligne, ben c'est quand même beaucoup de temps que vous sauvez au téléphone. Et là, je dois insister, par exemple, avec mon expérience, ça va marcher seulement si vous en parlez à vos patients. Si en clinique, il n'y a pas d'informations sur, il n'y a pas d'encouragement aux patients d'aller en ligne, il y a beaucoup de vos patients existants qui n'iront pas parce qu'ils ont juste un réflexe. C'est toujours de vous appeler quand ils ont besoin d'un rendez-vous, de modifier un rendez-vous. Cependant, si vous parlez une fois que le patient est arrivé, la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne la prochaine fois, ben ça, c'est quelque chose que vous éduquez vos patients avec et c'est comme ça que votre rendez-vous en ligne va marcher le plus et va vous permettre justement de concentrer vos efforts, non pas sur négocier vos rendez-vous en ligne avec le patient au téléphone, mais de focusser sur vos patients qui sont déjà en clinique et de laisser les patients prendre rendez-vous en ligne par eux autres-mêmes. Donc ça, c'était Aussi, le Eric, petit. j'aimerais ajouter une petite chose. Bien Aussi, sûr. l'avantage de ça, c'est d'avoir plusieurs personnes qui sont en train de voir la même journée ou les différentes heures en même temps, tandis qu'au téléphone, ben, on peut communiquer juste avec une seule personne. Oui, ça permet de ne pas avoir du monde en attente. Tu as tout à fait raison, Fouad. C'est ça. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vais aller. Si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas. On va pouvoir répondre les questions à la fin aussi. Donc, maintenant, on va parler de Optosys Rappel. Donc, ça, comme on a vu tout à l'heure dans les réponses, on avait 20% des gens qui, je ne sais même pas si je l'ai ou pas, ben c'est normal parce qu'il est un peu invisible, ce forfait-là, en fait, ce module-là, ce qui est une bonne chose parce qu'en fait, il va travailler pour vous. Il va, en fait, envoyer des communications aux patients. C'est super bien fait. Donc, ça nous permet d'organiser notre emploi du temps rapidement avec un système de rappel intelligent parce que oui, il y a une intelligence en arrière de ça. Donc, on va pouvoir intégrer notre système de rappel de rendez-vous automatisé à notre emploi du temps et on va pouvoir aussi envoyer des communications automatiquement selon un horaire préétabli par courriel ou par SMS. Pour ceux qui ne savent pas, SMS, c'est pour Short Message System ou les fameux textos, donc les fameux messages textes qu'on reçoit sur notre téléphone cellulaire. Donc, le module est très complet et offre bien sûr aussi non seulement des rappels, mais des confirmations, des remerciements, aussi des avertissements comme quoi les commandes sont prêtes. Donc, c'est quand même assez complet. Ça nous permet bien sûr de gagner du temps et de l'argent, mais l'argent, c'est de l'argent, c'est du temps, le temps, c'est de l'argent. Donc, bien sûr, si on n'a pas besoin d'appeler les patients pour confirmer leur rendez-vous ou leur rappeler leur rendez-vous ou leur dire que leurs commandes sont prêtes ou même pour faire les rappels annuels et biannuels, ben c'est du temps qu'on gagne justement en clinique, c'est de l'argent qu'on gagne aussi. On va aussi atteindre beaucoup plus de patients rapidement. On va réduire le nombre de rendez-vous manqués aussi parce que le but, c'est de limiter encore une fois le nombre de non présentés. Le taux de réponse des patients, parce qu'on y va avec les meilleures pratiques de l'industrie pour s'assurer qu'on a le plus de réponses possibles. Et bien sûr, tout ça dans le but d'augmenter la rentabilité et l'efficacité de votre clinique. Donc, allons voir comment ça marche. Donc, on a plusieurs gros avantages. Donc, ça, c'est les gros points du système d'Optosys Rappel qui va rappeler les patients pour leur examen complet. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas rappeler les patients annuellement pour les rappels et les urgences. Ça, c'est jamais créé dans Optosys, mais tout ce qui est examen de type complet,
ils vont recevoir justement un email par rapport à ça pour leur dire « Ah, votre examen de la vue est dû. » Puis là, c'est là que toute le duo avec la prise de rendez-vous en ligne devient efficace et performant. C'est que dans le rappel, on va leur dire « Cliquez ici pour prendre un rendez-vous en ligne pour qu'ils puissent justement prendre un rendez-vous suite à leur courriel de rappel. » Donc, tout ça s'intègre ensemble à ce moment-là. On a aussi les confirmations de rendez-vous qui vont s'envoyer. On va le voir bientôt comment ça s'envoie puis quand ça s'envoie. Les rappels de rendez-vous, juste pour dire, n'oubliez pas où vous avez un rendez-vous demain. On va voir quand est-ce que c'est envoyé aussi bientôt. Et il y a même des courriels de remerciement. Tout ça dans le but d'encourager le patient à toujours se présenter à son rendez-vous. On sait tous hein, comment c'est pas facile de limiter le nombre de non présentés, les fameux non shows. Mais ça nous aide un peu. Donc, voyons justement les exemples de qu'est-ce que ça a de l'air. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, oui, qui avaient peut-être déjà le Optosys rappel, mais vous ne voyez même pas qu'est-ce qui est envoyé au patient parce que ce n'est pas envoyé à vous. C'est envoyé directement au patient. Donc, on a les confirmations de rendez-vous. On va le voir plus tard, les détails, mais c'est envoyé une semaine, donc 7 jours, et ou 3 jours avant. Pourquoi je dis et ou? C'est que si le patient, le courriel ou le message texte qu'on envoie une semaine avant, il ne répond pas, donc il n'agit pas, il ne prend pas, il ne confirme pas, soit avec le bouton « Confirmer son rendez-vous » ou en cliquant sur le lien, s'il ne fait rien avec, s'il n'agit pas dessus, là, on va y envoyer un autre 3 jours avant. À noter ici, c'est important pour ceux qui l'utilisent peut-être, parce que des fois, on s'est posé la question, les 3 jours avant, c'est seulement le courriel qui est envoyé et non pas les messages textes. Donc, même si la préférence du patient est un message texte, c'est juste qu'il y a des frais pour les messages textes, donc on veut limiter les frais le plus possible. Donc, on va y aller avec confirmer mon rendez-vous à ce moment-là pour les 3 jours avant. C'est sûr que là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si le patient ne répond pas ni à son premier courriel, ni à son deuxième qui est envoyé 3 jours avant? Ben, là, il va falloir juste le confirmer par téléphone parce que visiblement, le patient ne confirme pas ses rendez-vous facilement par courriel, ne regarde pas ses courriels, n'agit pas dessus, donc ça ne marche juste pas avec ce patient-là. Mais à date, on a un très bon taux de réponse. Donc, la plupart des patients regardent leur courriel de 1 à 2 fois par jour très rapidement. Donc, comme ça, à midi, on regardait leur courriel selon nos statistiques et vont confirmer le rendez-vous une semaine avant, donc à la première tentative. Donc, on a un taux de succès de 65 % à ce moment-là, à la première tentative. Donc, ça, c'est les deux, le courriel et ici le message texte. À noter que le courriel, on peut modifier ici le texte personnalisé. Donc, ce qui est en vert, on peut le modifier. Pour ceux qui posent la question, oh, est-ce que je peux mettre d'autres textes en haut ou mettre un titre différent? Non. On est allé vraiment avec les meilleures pratiques de l'industrie ici pour aller avec les messages les plus concis, les plus faciles à lire et aussi les plus efficaces. Parce que si on mettrait trop de texte, c'est comme n'importe quoi, les patients ne le lisent pas de toute façon. Donc, le moins qu'on en met, le plus concis qu'on est, le mieux que c'est. Donc, ça, c'est le format idéal. À noter que si jamais le patient a des questions, il y a toujours le numéro de téléphone et le site web de la clinique qui est en bas, qui vont pouvoir aller si jamais ils veulent avoir plus de références. À noter que cette option-là leur permet aussi de modifier ou d'annuler leur rendez-vous. Donc, en même temps qu'ils peuvent confirmer, ils peuvent le modifier et l'annuler. En passant, pour ceux qui ne le savaient pas, les patients peuvent faire ça seulement plus que 5 jours par défaut avant leur rendez-vous. Donc, si vous voulez permettre à votre patient de modifier le rendez-vous à des intervalles un peu plus courts, je vous encourage de nous appeler, on va pouvoir le modifier avec vous ou vous indiquer où est-ce qu'on peut le faire. Même chose pour savoir où est-ce que je peux changer mon texte. Ceux qui sont membres de la SOA, ça va dans l'extranet, mais si vous voulez savoir où exactement, on va pouvoir vous le montrer si vous nous appelez. Donc ça, c'est au niveau des confirmations de rendez-vous qui s'envoient 7 jours avant. Puis s'il n'y a pas de réponse, il s'envoie aussi 3 jours avant. C'est sûr que si on a une confirmation une semaine avant, ben on n'envoie pas celui qui se fait 3 jours avant. Est-ce qu'on a des questions à date sur les rappels ou peut-être sur les rendez-vous en ligne, Fred? Non, pas de questions pour l'instant, Eric. Je pense qu'on est assez clair sur les instructions. Merci beaucoup, Fred, de ton approbation. Alors, on va maintenant passer au rappel de rendez-vous qui s'envoie la veille.
Donc, à noter, ah, ici, peut-être pour ceux qui ne savaient pas, peut-être c'est important de dire, toutes les communications s'envoient entre, je dirais, midi et 1 heure le jour de l'envoi. Donc, heure de Montréal, bien sûr. Donc, ça s'envoie pas mal tout le temps, un moment qui est vraiment efficace parce que la plupart des gens sont sur leur dîner. Donc, ça s'envoie à midi. Entre midi et 1 heure, disons, tous les jours. Mais la plupart de ceux-là, c'est envoyé vers midi. C'est juste que ça prend du temps à envoyer toutes les communications à tous les patients à partir de notre serveur. Donc, les rappels de rendez-vous s'envoient, très important. Et la même chose des confirmations, peu importe le type de rendez-vous. Donc, que ce soit un examen complet, un examen partiel, et ça s'envoie la veille, que ce soit aussi un rendez-vous qui soit confirmé ou non. C'est sûr que si on a annulé le rendez-vous, ça ne s'envoie pas. Donc, aussitôt que le rendez-vous est pris ou confirmé, les rappels de rendez-vous s'envoient au patient. Encore une fois, selon les préférences du patient, que ce soit courriel ou message texte. Et ici, ben, encore une fois, on peut personnaliser un peu les rappels de rendez-vous. Donc, si on veut mettre notre logo ou rappeler les instructions pour venir avec ses lunettes, si on a une dilatation de venir à quelqu'un qui va nous conduire, etc., on peut le rajouter à ce courriel-là, mais on ne peut pas le rajouter au message texte parce que lui, faut il faut qu'il soit encore une fois concis et court. Ici, on n'a pas l'option de reconfirmer. Donc, ce n'est pas du tout ça le but. C'est juste de rappeler au patient que demain, il y a un rendez-vous avec tel professionnel à telle heure et à telle date. Ensuite, on a aussi le lendemain, donc un jour après, donc à midi du lendemain de son rendez-vous, le remerciement. Donc ici, on fait juste dire que merci de votre visite chez notre clinique. Nous vous offrons vous offrir les meilleurs produits et services d'optométrie, la santé de vos yeux, notre priorité, etc., etc. Donc, on a des beaux petits textes ici déjà préfaits pour vous. Et dans Optosys, hein, vous le savez, dans notre onglet RX, on a des notions de suivi. Donc, on peut dire à Optosys que la commande est prête et à ce moment-là, ben, le courriel va s'envoyer au patient pour lui dire que sa commande est prête. Et ça, c'est autant pour les lunettes que pour les lentilles cornéennes. Donc, ça, c'est aussi automatique quand on coche commande prête pour qu'on n'ait pas besoin d'appeler le patient. C'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est seulement un courriel, encore une fois, qui est envoyé. Donc, ça ne veut pas dire que le patient va le lire, mais au moins, il y a cette communication de plus que ça. Donc, si vous avez envoyé un courriel et vous avez laissé un message vocal, ben, le patient, à ce moment-là, deux façons de savoir que ses lunettes ou ses lentilles corneennes sont prêtes. Donc, une fois que ça c'est fait, on a aussi, bien sûr, les rappels annuels ou les rappels après 2 ans, donc qui sont créés, hein, vous savez, dans Optosys, à partir de l'arrivée d'un examen complet qui est géré à travers les types de visites. Donc, aussitôt que leur date de rappel arrive, le patient va recevoir un courriel dans son dossier lui disant qu'il est dû pour son examen de la vue. Et comme vous pouvez noter ici, le patient a un beau petit lien pour prendre un rendez-vous en ligne. Donc, la première option qu'on leur offre, c'est de prendre un rendez-vous en ligne. Bien sûr, le patient a toujours le numéro de téléphone pour vous appeler s'il veut prendre un rendez-vous par téléphone et le site web si jamais il veut le prendre à partir de son site web ici. Donc, ça veut dire que toutes les communications, que ce soit la confirmation de rendez-vous, que ce soit aussi le petit sur ta commande est prête ou le rappel, ben, se fait tout par Internet, tout automatiquement. Donc, en fait, tous les appels qu'on fait pourraient être faits par le logiciel au lieu. Donc, c'est plus rapide pour le patient. À noter ici, juste un petit aparté, parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde pour ceux qui l'utilisent, qui l'oublient. Donc, oui, ce courriel-là est envoyé le jour que le rappel est dû, donc exactement 1 an ou 2 ans après son rendez-vous, dépendamment si c'est un enfant, un senior ou un adulte. Mais il va, pardon, aussi s'envoyer 4 semaines ou 1 mois après, si la patiente n'a pas pris de rendez-vous. Donc, à noter ici que ça, c'est juste pour l'efficacité. Hein, si jamais le patient a c'est dire, je vais le faire plus tard, ben, 4 mois, ben, 1 mois après, donc 4 semaines, on envoie un deuxième avec la même chose, la possibilité de prendre un rendez-vous, mais ça s'envoie seulement si le patient n'a pas déjà un rendez-vous dans le futur, bien sûr. Soit parce qu'il nous a appelé ou parce que, idéalement, il a pris son rendez-vous en ligne lui-même. À noter, et encore une fois, tous ces petits détails-là sont importants, que les rappels s'arrêtent là. Donc, une fois qu'on a envoyé ces 2 rappels-là, Optosys ne fera pas de rappel supplémentaire l'année prochaine avec ce patient-là ou quoi que ce soit.
les prochains rappels devront être faits de façon manuelle dans Optosys. Je ne rentrerai pas avec vous aujourd'hui, hélas, dans les sélections de rappels qui existent hein, pour faire des rappels par courriel manuel, mais ce serait cette solution-là si jamais vous voulez faire des rappels supplémentaires à ce que le module Optosys Rappel vous offre. Donc, avant de passer à l'horaire, je vais passer dans Optosys avec vous, juste pour revoir les meilleures pratiques de gestion de dossiers patients dans Optosys. Donc, vous voyez ici, mon patient ici, il y a un numéro de téléphone cellulaire au travail et il y a un courriel. Donc, ça va être très important de savoir que si on veut envoyer justement n'importe quelle communication patient, il faut absolument qu'il y ait un courriel dans son dossier. Même si vous me dites, oh oui, mais je veux juste y envoyer des messages textes, c'est pas grave, il faut qu'il y ait un courriel quand même. Donc, ça, c'est la base pour que le patient soit éligible à recevoir des communications automatiques. Bien sûr, le fait qu'ici, il y ait un cellulaire, ça va nous permettre à ce moment-là, dans le mode de communication privilégié en bas, de pouvoir sélectionner soit courriel ou SMS. Donc là, à ce moment-là, si je mets SMS, ben c'est un message texte que le patient va recevoir pour les confirmations de rendez-vous et les fameux petits reminders qu'on envoie la veille. À ce moment-là, si le patient dit « Non, moi, je veux recevoir des messages textes, c'est trop intrusif, envoyez-moi un courriel », ben on peut quand même l'envoyer par courriel, même si on a un cellulaire. Et si jamais des patients qui me disent « Non, moi, je vous donne mon cellulaire puis mon courriel, mais je veux pas que vous m'envoyez des communications automatiques », ben juste mettez appel téléphonique et à ce moment-là, le patient va être complètement retiré des communications automatisées par le Optosys Rappel. Donc, au moins, on a cette option-là. Si jamais le patient veut se retirer du système, on peut le faire facilement et garder encore un cellulaire et un courriel pour, par exemple, l'appeler sur son cellulaire ou lui envoyer des factures par courriel. Donc, ça, c'est les meilleures pratiques pour ce qui est d'Optosys, et à noter que si on a envoyé quelque chose au patient de façon manuelle ou automatique à travers le module Optosys Rappel, ben, tout va être enregistré dans l'onglet communication. Là, présentement, il n'y a rien dans mon patient, c'est le patient test, mais c'est ici qu'on va voir l'information. Excellent. Donc, voyons en détail comment ça marche justement les horaires. Donc, on va voir un peu le flow ici. Donc, on va se répéter un peu, mais je pense que c'est important. Donc, l'une semaine avant, on envoie la confirmation de rendez-vous en courriel ou SMS. Une deuxième est envoyée 3 jours avant, mais cette fois-ci seulement par courriel. Ici, on parle justement de la méthode de communication préférée des patients, je viens de vous en parler. Ensuite, on va avoir le rappel de rendez-vous. Donc là, où est-ce qu'on n'a pas l'option de confirmer le rendez-vous, mais qui va quand même nous dire le jour avant qu'on a un rendez-vous demain avec telle ou telle optométriste à telle date et telle heure. Suite au rendez-vous, on va remercier le patient de s'être présenté à son rendez-vous. Bien sûr, si le rendez-vous est annulé ou non présenté, il ne reçoit pas ce courriel-là, bien sûr, faut qu'il soit arrivé pour que ça marche. On a aussi la notion de commande prête, comme je disais, que ce soit pour les lunettes ou lentilles corniennes. Donc, en temps réel, on envoie le courriel seulement. Par la suite, ben là, c'est le temps du rappel annuel, le rappel d'examen complet. Donc, encore une fois, les confirmations se font pour tout type de rendez-vous dans l'agenda, que ce soit un examen partiel, une urgence, un examen complet, une livraison de lunettes, dilatation, un champ visuel, ils vont tous recevoir les confirmations de rendez-vous. Mais seulement les examens complets, eux, vont être rappelés de façon annuelle ou après 2 ans aux patients. Et un deuxième va être envoyé 4 semaines après. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pre-booking. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui utilisent le pre-booking, c'est-à-dire de prendre des rendez-vous justement dans 1 an, 2 ans, avec une date précise et une heure précise. Donc, on va prendre un rendez-vous dans le futur avec le patient dans l'agenda et non pas juste créer un rappel dans 2 ans. Donc, pour ça, pour eux, pour vous aussi, si jamais vous utilisez ce système-là de pré-booking en bon français, on a aussi l'option. Donc, ici, Optosys, ce qu'il va faire, c'est que si le rendez-vous a été pris plus de 6 mois avant la date du rendez-vous, donc si on a pris beaucoup dans 1 an ou dans 2 ans, ben, on va le prendre comme étant un rendez-vous pré-booké. Et là, on va envoyer un mois avant un petit rappel pour dire « Hey, dans 1 mois, on a rendez-vous.
avec, encore une fois, comme on a avec la confirmation, l'option de modifier ou d'annuler son rendez-vous. Donc, ça permet au patient, encore une fois, dans le confort de son foyer, à 10 heures après le revenu du restaurant, de pouvoir modifier ses rendez-vous un mois d'avance dans ce cas-ci. Donc, c'est très pratique pour pas, pour encore une fois limiter le nombre de rendez-vous non présents. Avant que je passe à la prochaine présentation, est-ce qu'on a des questions, Fouad? Pas pour l'instant, Eric. Toujours pas de questions. Merci beaucoup. Donc, ici, on a la foire aux questions. Donc, on a un petit peu de temps encore. Donc, on va s'assurer que toutes les questions sont résolues. Puis ça, c'est des questions qui reviennent souvent ici au support Optosys. Donc, je vais profiter du webinaire justement pour répondre à ces questions-là. En passant, autant la page précédente ici que cette page-là, vous l'avez dans les documents disponibles. Donc, dans votre menu GoToWebinar, allez dans vos documents disponibles et vous pouvez télécharger les exemples de rappel, donc justement les emails et les messages textes que le patient reçoit, ainsi que les fonctionnalités et les foires aux questions qu'on a ici. Donc, vous pouvez les télécharger si vous voulez à partir du menu GoToWebinar. Donc, la première question, que se passe-t-il pour les patients qui n'ont pas d'adresse courriel, mais qui veulent recevoir des SMS? Donc, ils recevront des messages de confirmation de rendez-vous et rappel seulement. Il faudra sélectionner SMS comme mode de communication privilégié. Et dans le dossier du patient, comment peut-on exclure un patient des communications automatisées? Donc, je l'ai montré, c'est en cliquant sur appel téléphonique dans le mode de communication privilégié de son dossier patient en bas. Quels patients recevront les messages de confirmation de rendez-vous? Donc, c'est tous les patients non exclus, donc qui n'ont pas appel téléphonique, qui n'ont pas confirmé leur rendez-vous, qui ont une adresse courriel au dossier ou qui acceptent de recevoir des SMS. Le message sera aussi envoyé en une semaine avant le rendez-vous, puis 3 jours avant s'il n'est pas toujours confirmé. Oups. Quels patients recevront le message rappel de rendez-vous? Ah, c'est pas la même chose, hein? La confirmation, c'est pour demander la confirmation du rendez-vous. Le rappel, c'est juste celui qui part une journée avant pour dire « Hey, rendez-vous demain ». Donc, tous les patients, encore une fois, non exclus, à une adresse courriel au dossier qui acceptent de recevoir des SMS qui ont un rendez-vous dont le statut est pris ou confirmé même. Le message sera envoyé le jour même, avant le rendez-vous. Si les patients ont plusieurs rendez-vous à la clinique, on le souvent à cette question-là, recevront-ils plusieurs messages, confirmation de rendez-vous ou rappel de rendez-vous? Donc, imaginez-vous, si vous avez un rendez-vous pour le champ visuel le matin, puis 1 heure après, vous avez le rendez-vous pour la dilatation, puis 1 heure après, vous avez un rendez-vous pour le rendez-vous avec l'optométriste. Donc, on a plusieurs rendez-vous, même si c'est avec des agendas différents. Eh bien, à ce moment-là, le patient va recevoir un seul message contenant la liste de tous leurs rendez-vous. Donc, ça, c'est une des belles choses, hein? Fait qu'ils vont voir, bon, on a un seul email ou un seul message texte qui dit, ah, vous avez plusieurs rendez-vous à la clinique aujourd'hui, au lieu d'envoyer plusieurs courriels ou plusieurs messages textes. Donc, ça, c'est le fun. Quels patients ne reçoivent pas les messages de courriel de remerciement? Ben, c'est tous ceux qui ont une adresse courriel au dossier, qui ont une visite de type examen complet le jour précédent. Le message sera envoyé le jour après la visite. Ceux qui vont recevoir le message rappel d'examen complet, donc c'est tous les patients, encore une fois non exclus par le fameux appel téléphonique, sans rendez-vous à venir. Donc, si le patient a déjà pris son rendez-vous dans 3 semaines, on n'enverra pas un courriel pour dire que votre appel est dû parce qu'il y a déjà un rendez-vous dans le futur. Et au dossier, pour qui la date d'un type de rendez-vous examen complet est arrivée, le message sera envoyé à la date du rappel, puis 4 semaines plus tard, s'ils n'ont toujours pas pris de rendez-vous. Les patients auraient une visite de type examen complet au courant des 4 semaines précédentes, le rappel seront exclus. Quels patients recevront le message rappel de rendez-vous par anticipation, donc le fameux pre-booking? Donc, c'est tous les patients non exclus, ayant une adresse courriel au dossier et ayant pris un examen il y a plus de 6 mois, comme je disais, le message sera envoyé 1 mois avant le rendez-vous. Est-il possible de modifier l'horaire d'envoi des messages? Donc, non, cette question, on l'a souvent. Donc, nous avons sélectionné l'horaire qui génère les meilleurs résultats, donc le 7 jours, le 3 jours, le reminder le jour avant. Donc, il n'est pas possible de le modifier pour l'instant. Peut-on modifier le contenu ou la mise en page des éléments envoyés?
Donc, si vous pouvez ajouter un court texte, quand même de 2000 caractères, au courriel de confirmation et de rappel, la mise en page elle-même n'est pas modifiable. Donc, c'est pour ça qu'on vous a envoyé précédemment, justement, les exemples, parce que ça, c'est pas mal les exemples qu'on va avoir pour toutes les cliniques. Ça nous permet d'avoir un produit qui est stable et qui est plus facile à supporter et aussi qui est plus performant. Que se passe-t-il si les patients répondent aux courriels? Donc, les courriels qui sont envoyés à l'adresse configurée dans Optosys. Donc, ça va être envoyé à votre boîte de courriel qui est configurée dans Optosys. Donc, si dans Optosys, vous allez configurer votre boîte de courriel comme étant le info à commercial centre de la vue.com, ben, c'est là que les patients vont répondre. Donc, Optosys, comme vous savez, ne peut pas recevoir de courriel. Donc, il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un, comme d'habitude, va regarder vos courriels, ce que les patients vous envoient. Pour les messages confirmation de rendez-vous et rappel de rendez-vous, comment choisir si le patient reçoit un courriel ou un SMS? Donc, on l'a vu, c'est dans mode de communication privilégié dans le dossier patient. Que se passe-t-il si les patients répondent au SMS? C'est un peu plate, mais ils vont recevoir un message automatisé qui va dire que le SMS ne s'est pas acheminé au destinataire et qu'il faut communiquer directement avec la clinique au numéro indiqué. Puis là, il va avoir votre numéro à vue. Ça, c'est au moins, s'ils ne peuvent pas répondre, ils vont savoir qu'ils vont vous appeler s'ils ont quelque chose à vous dire. Mais non, il n'y aura pas d'aller-retour avec un patient. Il n'y a pas de chat ou de communication ou de conversation SMS ou message texte avec un patient. Est-il possible d'envoyer des messages texte sur demande? Ben, en fait, le module lui-même, Optosys Rappel, ne permet pas d'envoyer des messages texte hors de ceux qui sont envoyés dans l'horaire qu'on a parlé. Cependant, n'oubliez pas, il y a toujours le petit module Twilio dans Optosys qui est un parti tiers qu'on peut configurer dans Optosys à ce moment-là, qui va vous permettre d'envoyer des messages texte sur demande à vos patients. Mais ça, c'est bien sûr différent du module rappel. Donc, un, il n'est pas contraint avec l'autre. Donc, on peut avoir seulement le Twilio, les messages texte sur demande ou le rappel ou les deux si on veut, mais ils sont tous indépendants. Donc, pour ça encore, je vous réfère, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, d'aller sur notre site YouTube sur Optosys Solutions et d'aller voir sur notre chaîne. On a des beaux petites vidéos sur comment aller s'inscrire avec Twilio et comment le configurer dans Optosys pour envoyer des SMS sur demande. Prochaine question, est-ce que le module prend en charge les rappels pour les types d'examens autres qu'examens complets? Donc, si je veux rappeler mon patient à chaque 3 mois, je me crée des rappels pour faire des suivis, par exemple, de chirurgie, ben non, Optosys Rappel ne s'occupera pas de ces rappels-là. Donc, c'est seulement les types de visites de type examen complet qui vont être pris en charge par le module. Donc, encore une fois, il faudra réutiliser nos fameuses sélections pour faire ce type de message-là. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide avec vos sélections, votre équipe de support préférée, l'Optosys, va pouvoir répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Mais à noter que de toute façon, les sélections sont encore là. C'est pour les patients qui n'ont pas de courriel et qui n'ont pas de cellulaire. Donc, il va falloir quand même envoyer des sélections de rappel, par exemple, à ces patients-là. Pouvons-nous voir les messages envoyés aux patients à partir du module Optosys Rappel? Donc, oui, on peut consulter l'historique des messages dans l'agenda, la liste des rappels dans l'onglet Visite et Communication dans le dossier patient. On l'a vu tout à l'heure, donc dans l'onglet Communication, on peut voir tous les courriels, les messages textes qui se sont envoyés d'Optosys, incluant ceux du Optosys Rappel. À noter que des fois, il y a un petit délai. Donc, même si les courriels s'envoient très rapidement, il y a un délai avant que l'information comme quoi était enregistrée dans l'onglet Communication apparaisse. Donc, ça, c'est normal, donc quelques heures, mais ayez confiance, ça s'en va quand même au patient. Et dans la journée, vous allez voir apparaître dans l'onglet Communication que oui, il y a bel et bien un courriel de confirmation ou de rappel qui a été envoyé au patient. Donc, comme vous voyez, c'est quand même très complet. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions ou à ceux qui n'ont pas encore les modules, que je vous ai convaincu que le module est très, les deux, surtout les deux modules ensemble, c'est très performant et ça nous aide beaucoup en clinique à ce moment-là.
Oui, on va passer maintenant à la période de questions main levée. Donc, si vous avez des questions, hop, ça n'est pas trop vite, je vais vous demander de lever la main. Donc, on a un petit module, en fait, dans notre module GoToWebinar qui permet de lever la main. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser de vive voix, s'il vous plaît, levez la main. On va enlever le muet sur votre microphone. Vous-même aussi, assurez-vous que vous n'êtes pas muet de votre côté non plus. Et vous allez pouvoir poser la question en présence de tout le monde. Fouad, est-ce qu'on a des mains levées? Pas pour l'instant, mais si vous voulez, je pourrais ouvrir le chat pour tout le monde si quelqu'un aimerait parler. Ou... Oui, vous vous avez posez d'autres des questions? questions. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. En passant, si vous avez des questions sur les prix et les forfaits, je vous invite à retourner dans Optosys. C'est juste que des fois, les prix peuvent changer sans avertissement. Donc, dans le webinaire, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y en a qui peuvent regarder le webinaire beaucoup plus tard. Donc, ici, ça va être dans le petit onglet « Point d'interrogation », pas l'onglet, mais le bouton « Point d'interrogation » en haut à droite d'Optosys. On va aller dans « Actualité » et à partir d'actualité, on va pouvoir aller voir justement les options qu'Optosys nous donne. Et on va pouvoir choisir les modules. Donc, on a présentement les forfaits Premium et Elite qui comprennent justement directement à partir du forfait Premium, Optosys Rendez-vous et Optosys Rappel avec 250 messages SMS. C'est pour ça, en fait, qu'on envoie pas des SMS pour toutes les raisons possibles. C'est parce qu'on est limité par rapport aux SMS. Puis, bon, plus qu'on utilise, il y a des frais associés à ça. Je pense que c'est 6 sous actuellement des SMS supplémentaires quand on dépasse. Mais il y a des forfaits qui nous permettent d'avoir 500 SMS ou même un nombre illimité de SMS, mais c'est un peu plus cher à ce moment-là. Si vous voulez vous abonner à Optosys Rendez-vous, ben, vous cliquez sur ici, Optosys Rendez-vous. Et Optosys Rappel, ben, c'est le troisième ici pour vous abonner. Et vous pourrez voir à ce moment-là les prix à la carte de ces modules-là. C'est pas mal tout ce que j'avais pour le webinaire aujourd'hui. On est pas mal à l'heure en plus pour une fois pour finir le webinaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va vous inviter à ce moment-là, si vous avez des questions, à communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone, bien sûr. Ça va nous faire plaisir, comme à chaque fois, de pouvoir vous aider ici à l'équipe support. N'oubliez pas, hein, support à commercial. Eric, je pense qu'on t'a perdu. On a perdu ta voix. Ah, OK, merci beaucoup, Fouad. Oui, ah. Ça, vous n'avez pas entendu, excusez-moi. Vous allez être redirigé à la fin vers un petit sondage. S'il vous plaît, répondre aux questions. Donc, c'est juste pour savoir si vous avez aimé ça. Puis, si vous avez vos commentaires, on aime toujours s'améliorer d'un webinaire à l'autre. Puis, si vous avez justement des idées de sujets que vous voulez qu'on parle pendant les webinaires, on en a déjà plusieurs de prévus durant l'année, mais on aimerait ça intégrer peut-être des nouvelles choses. Si vous avez des idées ou des questionnements sur certains modules ou certaines spécificités d'Optosys. Donc, n'hésitez pas encore une fois, support à commercial.optosys.ca. 1-866-660-6797. Mon nom est Éric Lemire, chef d'équipe Optosys. Merci beaucoup à tout le monde de votre attention. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Fouad, de ton aide aujourd'hui. On va pouvoir faire d'autres webinaires ensemble, j'en suis persuadé. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, ceci est enregistré. On va le mettre sur notre YouTube si vous voulez le revoir. Excellent. Merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Bonne soirée et au prochain webinaire. Au revoir.